Tu es ma moitié.
Roméo et Juliette, histoire d'amour. À lire l'acte de célébration du mariage.
Alors, on va se lever pour procéder à la célébration du mariage. Entre Hussein Dembélélo et Lié Gervais Mbawaka, c'est ça? C'est ça. Donc, a-t-il été fait un contrat de mariage? Non. Non. Conformément à la loi, je vais vous donner la lecture des articles 212, 213, 214 et 215, 371-1 du Code civil. Alors, à l'article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. À l'article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, parentale et un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent les enfants aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Alors, Madame Hussein Dembélélo, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Lié Gervais Mbawaka, ici présent? Monsieur Mbawaka, ici présent? Oui, je le veux. Oui. Monsieur Lié Gervais Mbawaka, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Hussein Dembélélo, ici présent? Oui, je le veux.
Donc les jeunes filles peuvent s'avancer pour les alliances. Avec madame la maire. Balinginga lokola omeyona j
Je suis avec le pasteur Omis, l'homme de Dieu. Voilà, ça c'est mon père, c'est mon beau-père. Monsieur Omis, tu as quelque chose à dire pour moi? Il a quelque chose à dire. Non? Tu peux dire quelque chose pour moi? Banga photo. Il te demande par rapport au mariage. Merci ma chère. Tout le monde, et je vous fais un gros bisou. Ça, c'est madame le maire de Sevran, elle-même en personne. Donc voilà, aujourd'hui c'est un grand jour très spécial pour ma soeur Lolo. Donc voilà, heureux mariage à eux. Qu'il a été la porte. Donc voilà, bisous, choc, c'est pas pareil. Oui, ça c'est la maman qui tient le quartier Ouyondi. Petite sœur, là on est là, les deux femmes de compagnie, donc voilà.
Voilà, c'est ça. Là, on va à l'hôtel, elle va se changer. Après, on va aller à l'église. Franchement, aujourd'hui, c'est le jour J, le grand jour du couple Mbaouka. Vraiment, le quartier d'abord, Tokos. Colette, Sylvie, Jeanne, vraiment, ça va. Ça va. Ça se déroule bien. On est là. Merci d'autant Monsieur Mbaouka. Merci les caméramans. Hein. Merci. Vous êtes présents. Merci. Vous pouvez donner ça. Monsieur Mbaouka. Oui, je vais goûter quand même. Oui, ils vont goûter, c'est un jour, chérie. C'est ça qu'on a fait. Dame Kaka. S'il te plaît, Monsieur le caméraman. Quoi de verre? Merci Jaël, merci. T'es toujours présent. T'es toujours présent chez le quartier d'abord. Donc vraiment, merci. Merci d'être venu. Merci d'être là vraiment. Chapeau. Tocos. David et Sœur Mzéné, elle est toute belle, hein. David est marié. David, Monsieur Mbaouka. Oulala, c'est beau. Yo, Sibaï, César, Kouka, ouvre toi. Oui, et Kouka, PDG, avant de la monnaie. Michael Mwanga, Bébou Ndamba. C'est ça, ma sœur. Voilà, Monsieur Mbaouka. Voilà, Monsieur Mbaouka. C'est pas grave. Avec un coup de avec un coup de moi qui étais Barabbas et lui qui était trois fois saint, mais ce jour-là il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction afin que moi je puisse devenir saint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné des très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit, mes frères. Ce n'est pas fini, il m'a dit encore. Et qu'un jour, moi, il faut que je verrai Jésus. C'est donc que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie ce sera quand je le verrai. Oh, 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 oh.
Lelo, aujourd'hui, c'est ton jour, c'est notre jour. Tu sais d'où on sort. Je n'ai jamais parlé de toi. Aujourd'hui, je veux dire, je veux parler tout le bien que tu as. Tu sais comment toi et moi, on a vécu. Tu sais comment toi et moi, nous sommes arrivés ici. Je pense que ça fait 26 ans que nous sommes ensemble. J'étais connu, tu avais 21, moi j'avais 21 ans, si je ne me trompe pas. Et toi, tu avais certainement entre 17 ou 19 ans par là. Aujourd'hui, on est devenu papa, maman. Ce que je peux te dire, ce que je veux te dire aujourd'hui, tu es une femme, une mère pour moi, une sœur pour moi. Tu es une femme qui me comprend. Tu es une femme bien, je peux dire soumise, parce que je le sais, que quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. Tu connais mes caprices. Tu les supportes, je pense, puisque si tu ne les supportais pas, on ne serait pas arrivé là. Aujourd'hui, je pourrais te dire que tu es maintenant, on peut t'appeler maintenant Madame Mbauka. Tu prends le nom de Mbauka. Tu rentres dans la famille Mbauka. Je suis très heureux. Je suis très heureux parce que je t'avais promis l'amour. Je t'avais promis l'amour, le mariage, le bien-être. Aujourd'hui, je pense que je l'ai fait. Lelo, je t'aimerai, quel que soit ce qu'on est, quel que soit ce qu'on peut dire. De toute façon, on ne vit pas pour les gens. Quel que soit ce qu'on est, quel que soit ce qu'on vit, Lelo, tu resteras pour moi une femme. Tu seras toujours à mes côtés. Tu seras toujours pour moi. Je t'aime. Je t'aimerai toujours, que la mort nous sépare. Merci. Merci pour l'invitation, monsieur et madame Mbauka. Je me nomme monsieur Mesme Benazo. Je suis l'oncle et le tonton à Tchétché. Ça veut dire ma femme, c'est le maman de Tchétché. La petite sœur à sa maman. Aujourd'hui, on va assister au mariage de Tchétché et Lelo. Ça me va droit au cœur parce que je les ai vus très jeunes. Très jeunes. Et aujourd'hui, je crois que 25 ans ou 27 ans après, ils sont toujours ensemble. C'est une fierté. C'est une fierté dans la famille parce que c'est un exemple à suivre. Donc vraiment pour le reste de la famille, pour le reste des jeunes dans la famille, suivez cet exemple. Suivez à Tchétché, ça me va droit au cœur. Et nous, honorer ma femme, qu'elle soit au devant de la scène, témoin, nous on est témoin du mariage, monsieur et madame Benazo. Donc ça me va, il nous a honoré, monsieur Mbauka. Donc je vous dis, le couple, merci beaucoup. Merci pour cette confiance. Et je vous dis aussi merci. À très bientôt. Bonne fête. Général d'Abiradi RTV. Sentiment n'a pas été, 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 n
Je suis Sharon, je suis fille d'honneur au mariage de maman Lilo et je passe la main à ma collègue. Je suis Sephora, je suis fille d'honneur au mariage de Tata Lilo. Bonjour, je suis Anna et je suis fille d'honneur au mariage de la Titi et Lilo. Salut, je suis Léo, je suis demoiselle d'honneur au mariage de maman Lilo. Eni de Bambongo. Tiro yebinga na linga yo bana bomwana malolo. Tiro yebinga na linga kaka reste a ta treze. Mawe koma kanga likata na mo pepe pepe. Mbebe tika kele mo na mo lele te. Amula yo tibia. Mon ami Médard Milandou, Barnabé Kikaya, Luc et Wendy Temoni, Hubert Bangay. Talantina Nini Kouina, Aina Kankanda, Bekanda, Kamela Kakouina Kandai, Anna Jadona Sai Sai, Jojo King Digital, Jojo Mouya qui vivra verra. Bino Banaïsta, Banamouchetou. Jean-Jacques Moutoualé, Marie Fana Londres, Annie Timamote.
Kako di tutti capi Al Pacino Egeto ye ye Mama awanga yo Olingo eti elinga o Mide e kabito o Na kwa ima kale kale o Na evite e soki a goche To pakati si a droite o Susi a bolingo e salinga Loko la mwana na mama na ye Si se boka ya poto Ziri kwe kwe tonda kare fu Mi se bungi zela Na kominde kote lenga na o Pablito merveille motema eko kite epesi misama wa pinzole tangi soko zongi tena sambwe rumba olingaka yango yote na motono ya pale oya kishinga pemba soni kamana na kata chambre nga moko contre 6 milioa basi usingo ya ogo etumbo yo monene boye vraiment Est-ce qu'un akoki kozongi sata moi chuki? Comme c'est pas possible, papa. Sornanga oye bibye me pou kozo trene. Yako sauve ka. Na bengi yo na telefone. Milo yine pa obo yine yoko rapere. Desa vese de message non lu. On supprime au boycott en attendant qu'on y a pamba. Bah je t'aime nanga et na moté mano. On efface le coller les mamas sous un amai. Pourquoi? Danny Banza, le président. Kuita bolingo no eko singa. Na plongé na piscine zanga mai. Na beto à l'hôpital on galo samboe. E payanza bena bona yo ya suka Soko bona yo ko ya e Somba deja kuro de flora kufananga Yele ho 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 Na senga yo bolinga mwana soso Po atakoli toujou pena lopango Opi manga opi si mwana ndeke Tala rakoli wana apumbwe o Zala nini na lukite Pona mwana talisala moka bolingo na yo Edgar Ngeso Le DDP Na senga yo bolingo mon amour Yo prefere opi sanga barekle
te koma poubelle. Rolanga se koya babila kwa bosoto. Bininga na salia e. Pona merite li futa motindo yo. Cherie, lando bati buka. Qui René Loua Sang? Très très fort. C'est grâce à ta moninga yando bomba. Koko kone visible. Ali Makoma Oli Kambo Sama Li Kambo Ampasi Li Kambo Kokamwa Basengi Biso Kopo Yamai Topesi Bango Bidon. Est-ce que tu sali ma belle? Allez, fais-nous plaisir. Makani so markete o tira kote Talanga na poto pinzole tondi pelouse Souci komi sanga paralyse mon amour Pardon kon markete Na me mie kolozwe Na ebiti na te bolingo e komi mabe Loba na yeba ho Soukiza kontre envoûtement e outi wapi Qui n'est pas ma pasteur, on va délivrer yo. Baby, eh, eh. Eh, la grande, hein? Moi, naya Cameroun. Mais ce zangambongo, mais ça la kaye fort. Y'a koufouta n'yo wa pongi yo. Mais pourquoi y'a yo kote maïza na ma kokia kolinganga et zopi manga bongo. Na samboué. Floribert Loboto. Jusqu'ici, on va lancer la chanson.
va s'élever pour recevoir le marié. J'aimerais que lorsque nous rentrons, nous avons une question de la joie, nous allons prier pour célébrer une joie à l'honneur de notre Dieu. Amen. Amen. Mais soyons dans la joie, c'est une bonne soirée de l'hiver. Nous devons exprimer cette joie. Nous devons exprimer cette joie, bien-aimé. Un moment à l'autre, bien-aimé, nos bien-aimés vont rentrer pour que nous puissions poursuivre notre programme. Amen. Amen. Place à la musique.
musée du Marais des Insalubres et nous allons passer à autre chose. Amen. Célébrer notre combat, passer la bénédiction initiale sans pour autant adorer le Seigneur qui a rendu ce moment possible. Nous allons prendre un temps d'adoration et je vais inviter l'homme de Dieu pour passer au service. Amen. Nous allons laisser la place à notre groupe de musique et puis nous allons vous lever après la chant pour adorer le Seigneur. Amen. Groupe de musique, cantique d'adoration. Ne pouvons que t'adorer.
nous t'adorons, ô Dieu, toi qui es notre seul espoir. Nous t'adorons, ô Dieu, toi qui es le Dieu de Dieu, toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Et nous élevons nos mains et nous acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous allons passer au service, bien-aimés. Nous courons derrière le temps, sans plus tarder. Nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur de Loge, pour les services. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous avons la parole de Dieu. On peut se lever un instant, s'il vous plaît. Je dirais d'abord l'inviter respectueusement à vous lever, afin que nous puissions glorifier le Dieu qui nous a réunis ce soir. Vous savez, nous sommes là pour honorer ce mariage, et Dieu nous a fait grâce d'être les témoins. Amen, amen. Amen. Les témoins de l'histoire de ces deux personnes que nous aimons tant. Et il a plu au Seigneur que toi et moi, nous puissions être là ce soir. Et je voudrais bénir le Seigneur pour cela. Nous allons fermer un instant nos yeux, nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen, amen. Amen. Vous savez, même si tu n'es pas croyant, mais ce soir, donne-toi le temps d'écouter la parole de Dieu. Et je pense que tu vas parler à ton cœur afin que tu puisses recevoir quelque chose. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier ensemble. J'aimerais que, en plus, pratiquer Chantal Gauthier pour que les cœurs soient préparés. Encore une fois de plus. En deux minutes. Avant que je ne puisse prier. Alléluia. Oh,
que c'est en ta présence que nous sommes assemblés. Seigneur, pour honorer ce mariage, n'es-tu pas dit dans ta parole que le mariage soit honoré de tous? Seigneur, nous te bénissons pour ces personnes qui sont venues de loin, pour venir rendre honneur à ce couple qui a pris une décision, peut-être difficile, peut-être facile, pour la suite de leur vie. Seigneur, je voudrais te recommander ces moments. Je voudrais que ta bénédiction puisse couler en ces lieux. Seigneur, je crois de tout cœur. Seigneur, je suis le Dieu, Seigneur, qui donne au-delà de ce que nous pouvons demander et penser par la puissance qui agit en nous. Seigneur, bénis les cœurs. Seigneur, même si les cœurs étaient affligés, même si, Père, les cœurs étaient dans une certaine solitude, Seigneur, ce soir, nous voulons que, à travers ce message que nous allons libérer en ce lieu, que ces personnes trouvent la consolation près de toi. Tu es le véritable Dieu. Nous te bénissons pour ta présence. Seigneur, bénis ces moments. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, les Christ sont encore plus forts pour dire que nous serons. Je vous invite à vous asseoir. Se sont déplacés pour honorer ce mariage. Je voudrais saluer toute l'assemblée. Je voudrais aussi saluer le groupe que je n'ai pas salué. Je voudrais saluer aussi les témoins qui sont là, derrière. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, vous savez que lorsque nous sommes dans la vie, il y a des décisions qui sont importantes à prendre. Amen, amen. Amen. Il faudrait que nous puissions réaliser qu'il y a des choses qui sont importantes et indispensables pour un homme. Vous savez, il faut que nous puissions, à un moment donné dans notre vie, prendre une décision. Et il y a un homme de Dieu qui a prêché le temps de la décision. Il y a le temps de la décision qui est indispensable pour pouvoir construire une vie, pour pouvoir justement changer de direction et de cap par rapport à son existence. Alors, je pense que ce soir, le Seigneur permettra que la parole que tu vas écouter puisse t'aider à construire une nouvelle vie et changer peut-être de cap ou de direction par rapport au futur de ta vie. Amen, amen. Amen. Vous savez, quelquefois nous avons l'impression que le temps nous appartient, mais ce soir j'aimerais te dire que le temps n'appartient qu'à Dieu lui-même. Amen, amen, amen. Vous savez, on peut faire des projets, on peut se dire que demain je ferai telle chose ou telle autre chose. Mais j'ai peur de te recevoir ce soir pour te dire que quelquefois le temps ne t'appartient pas. Tu es incapable quelquefois de le gérer. Parce que tu n'es pas le maître de ton temps. Tu n'es pas le maître des circonstances de ta vie. Alors, il y a un créateur en qui tu dois te confier. Amen, amen. Amen. Et c'est celui-là que j'aimerais te présenter ce soir. Celui qu'on appelle Je suis. Il est présent en ce lieu. Et nous allons lire la parole de Dieu tous ensemble dans le livre des Proverbes. Alors, notre message sera très court, très bref. Et ensuite, nous passerons à la bénédiction nuptiale. Mais nous allons ouvrir nos Bibles pour ceux qui ont la Bible sous leurs yeux. Nous allons prendre le livre des Proverbes au chapitre 18. Et nous allons lire simplement au verset 22. Ça ne sera pas long ce soir, mais je pense que nous allons dire l'essentiel de ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs pour partager avec vous. Alors nous allons prendre nos livres et nous allons lire le livre des Proverbes au chapitre 18, au verset 22. Je vais lire la parole de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tient de l'Éternel. Est-ce que vous avez entendu? Amen, amen. Amen. J'aimerais relire pour que vous puissiez mieux entendre encore ce soir ce que le Seigneur a à nous dire. Il dit,
celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, si vous avez lu avec moi, vous allez saisir une pensée. C'est que toutes les femmes ne peuvent apporter le bonheur. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la femme qui va apporter le bonheur est une perle rare. Est-ce que vous croyez cela? Amen, amen. Amen. Tu peux rencontrer des milliers de femmes, mais il n'y a qu'une seule qui sera capable d'apporter le bonheur. Yes. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous exhorter ce soir, afin que vous puissiez saisir la pensée du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas seulement ce que nous pouvons penser, mais le bonheur, c'est quelque chose de plus profond. Et j'aimerais même dire que le bonheur, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui est dans nos cœurs. Bien aimé, vous savez, on peut faire semblant, on peut paraître quelque part être heureux, mais en réalité, on est très malheureux. Alléluia. Alors, bien aimé, on ne peut pas faire comme une incantation pour que nous puissions jouir du bonheur. Alors, le bonheur va dépendre du partenaire ou de la partenaire avec laquelle ou lequel nous allons marcher. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordés. Et souvent la fatalité viendra de là. Du fait que nous ne nous soyons pas accordés avec les personnes ou la personne avec qui nous voulons marcher. Parce que quand la personne dit blanc, l'autre dit rouge, il y aura toujours comme deux choses opposées. Pourquoi ? Parce que simplement, parce qu'on n'a pas encore trouvé la personne qu'il faut, qui sera en mesure de partager notre vie. Alors ce soir, je voudrais vous parler des types, les différents types de choses qui sont nécessaires pour que nous puissions réellement passer du malheur au bonheur, parce que cela est possible. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce que l'on peut voir, ce n'est pas le matériel. Vous savez, une femme, tu peux tout lui donner, mais si l'amour n'est pas profond dans son cœur, bien aimé, elle ne pourra jamais t'aimer réellement. Chauffeur de taxi. Alors cet homme a reçu un coup de fil devant moi. Alors, une femme est en train de l'appeler. Quand il a fini la conversation, il a commencé à me raconter sa vie. Vous savez, quelquefois, il y a des choses cachées. Vous savez, le cœur est comme un tombeau qui cache beaucoup de choses. Est-ce que vous le savez? Il y a des choses que vous cachez dans vos cœurs. Hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Si on pouvait ouvrir le tombeau de vos cœurs, nous allons vous rendre qu'il y a des cadavres quelquefois qui sont cachés. Qu'on doit peut-être ressusciter. Alléluia. Alors cet homme commençait à me dire, ah, vous savez, cette fille-là m'a appelé hier à 1h du matin. Et puis, elle m'appelle 7 fois par jour, 6 fois par jour. Et de lui-même, il a commencé à réfléchir. Il dit, mais à 1h du matin, que faisait-elle? Est-ce qu'elle n'était pas quelque part d'autre? Alléluia! Vous savez, quelquefois, bien-aimé, quelqu'un peut faire semblant de vous aimer, mais en réalité, l'amour n'est pas sincère. Alléluia! Alors, ce ne sont pas des choses, bien-aimé, qu'on peut prouver quelquefois, mais cependant, nous devons savoir une chose. Que celui qui a trouvé une femme, une véritable femme, a trouvé le bonheur. Alors j'ai dit à cet homme, est-ce que tu as convoqué quelqu'un? Il s'est mis à réfléchir. À peine il a commencé à toucher la tête en se disant, quelle est cette question qu'il me pose? Amen, amen, amen. Et je lui ai dit, j'ai l'impression que tu as beaucoup de femmes. Mais aucune de ces femmes ne pourra te donner le bonheur si ce n'est pas une femme que l'Éternel te donne. Amen, amen, amen. Vous savez, l'amour est un don de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, l'amour est une grâce de Dieu que tu rencontres. Bien-aimé, ça peut être simplement au détour d'un chemin que tu rencontres une personne qui était jusque-là inconnue, que tu n'avais jamais rencontrée auparavant. Mais quand vos cœurs se sont rencontrés,
c'est le principal. Amen, amen. Amen. C'est ça qui va jouer pour la suite. Quand deux personnes s'aiment, quelquefois dans la pauvreté, quelquefois, bien aimé, dans le manque, mais une femme qui va te suivre parce que tu as l'argent, ne pense pas que c'est le vrai bonheur ou c'est le vrai amour. C'est un amour avec raison. Alléluia. Amen. Il y a des amours, il y a l'amour, parce que c'est par rapport à la raison. Mais l'amour véritable ne marche pas selon la raison. Alléluia. Amen. L'amour véritable ne marche pas par la raison, marche par le cœur. Même un peu te suffit. Alors cet homme qui a donné ce conseil s'appelle Ecclésias ou Salomon. Salomon avait 700 femmes, écoutez bien. 700 princesses qui étaient ses femmes. Mais ce n'est pas fini encore. Et il avait en plus 300 concubines. Hey, il était saturé par la vie de femme. Toi qui penses connaître les femmes, tu en as peut-être 5 ou 10, tu dis non, mais moi je suis un homme particulier. Mais Salomon en avait 1000. Alléluia. Alors cet homme s'est assis un instant. Il a commencé à s'apercevoir d'une chose, c'est que ces femmes commençaient à lui donner le tournis, n'est-ce pas? Vous savez, il ne savait plus mettre la tête certainement. Alors il a sorti ce passage des Proverbes. Elle dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est une grâce. Une grâce, c'est quelque chose d'immérité. Alors, il s'est mis à s'asseoir et à calculer, à voir que ce qu'il fait n'est pas forcément dans la pensée de Dieu. Malgré qu'il avait ses 1000 femmes, mais parmi ces 1000 femmes, certainement qu'une seule était capable de lui donner le bonheur. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, il se pose souvent le problème de choix. Il faut choisir avec qui tu vas passer ta vie. Alors, la première des choses que j'aimerais parler, c'est le type de témoin que nous devons avoir. Vous savez, aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes comme les témoins de l'histoire de ce couple qui, tout à l'heure, se diront oui devant les hommes, devant Dieu. Mais, bien aimé, il y a des gens qui peuvent influencer ta vie. J'aimerais vous parler d'une chose qui concerne un homme qu'on appelle Adam, qui avait pour femme Ève. Tout le monde connaît l'histoire. Alors, il y a un témoin qui est tombé comme un cheveu dans la soupe de leur vie. C'était le diable. Alors, il est venu détourner Ève de la véritable vocation qu'elle devait avoir. Alors, cette femme qui devrait chérir son mari, qui devrait être à côté de son mari, qui devrait être même lié pleinement à son mari, un jour va se séparer. Parce qu'il y a eu quelque part un combat qui s'est passé dans le ciel et Satan a été précipité sur la terre. Et il va se retrouver face à face avec Ève. Ève et Adam avaient eu la grâce. C'était les premiers hommes qui ont eu la possibilité de parler avec Dieu. Non, ce n'est pas toi qui as commencé le premier. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont uniques. Mais j'aimerais vous dire que Ecclésias nous dit que ce qui est a déjà été. Amen, amen. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça qu'il faut faire attention de quelle manière nous marchons. Alors, Ève, quand elle est allée à la rencontre de Satan, du diable, alors le diable va comme rouler cette femme dans la farine. Et elle va se laisser séduire. Et j'aimerais vous dire que cela va amener la mort dans le couple de Adam et de Ève. Alors, j'aimerais vous dire ce soir, c'est qu'il y a des choses qui sont comme des témoins ou des personnes qui peuvent apporter la mort dans ton couple. Vous savez, souvent, méfie-toi d'une personne qui te dira, c'est pas comme ton mari dès qu'il y a un problème. À la première occasion, elle va te dire, non, c'est pas la peine de continuer avec lui. Fais attention. Alléluia. Amen. Vous savez, tous les conseils ne sont pas des bons conseils. Il y a des conseils à prendre, mais il y a aussi des conseils à laisser. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il faut prendre des conseils qui peuvent nous édifier, qui peuvent nous éclairer, qui peuvent nous emmener à comprendre des choses qui peuvent nous faire avancer d'ailleurs dans la vie. Donc, Satan a été comme
comme un témoin pour ce couple, mais dans le mal. Et ce mal va ranger ce couple. J'aimerais vous dire que quelquefois, les problèmes dans un couple ne dépendent pas du couple, mais des personnes extérieures, des agents extérieurs qui viennent comme pour tromper ce couple. Est-ce que vous comprenez? Des agents extérieurs qui vont venir comme vous déstabiliser. Alors, qui vont être comme des bons conseillers, mais en réalité, c'est comme des personnes qui viennent comme pouvoir détruire votre tranquillité, votre stabilité. C'est pour ça que il faut que nous puissions trier les amis. Un ami bien-aimé, c'est comme un frère. Il ne pourra jamais t'induire en erreur. Il fera en sorte que ton bonheur soit préservé. Alors si tu vois quelqu'un qui commence à te donner des conseils pour détruire ta vie, ce n'est plus un ami. Méfie-toi de lui. Amen, amen. Alors je disais que les types de témoins, ce sont des personnes qui nous entourent, mais quelquefois ça peut être nous-mêmes par rapport à l'influence extérieure. Parce que vous savez, il y a des hommes qui ont été influencés par leur passé. Il y a des femmes qui ont été influencées par leur passé. Lorsqu'elles vivent, elles ne vivent pas au présent, mais elles vivent au passé. Mais j'aimerais dire ce soir que l'amour se conjugue au présent. Amen, amen. Amen. Toujours au présent. Il ne faut pas dire non, j'étais aimé hier. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tu ne m'aimes plus. Alléluia. Amen. Quand tu as commencé par me dire oui, pourquoi as-tu changé? Pourquoi tu as changé de côté, comme disent les autres? Alléluia. Amen. Non. L'amour se conjugue au présent. L'amour aussi se renouvelle. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, un jour j'ai rencontré un couple qui était en grande difficulté. Pourquoi? Parce que la femme est en train de se rappeler ce que son ancien faisait. Son ex, si vous voulez. Vous savez, il y a des femmes qui marchent selon le temps passé. Donc, elle a tellement ramassé les coups. Elle a tellement reçu des coups. Bien aimé, elle veut maintenant en donner. Alléluia. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis innocent. Alléluia. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Quel mal ai-je fait pour pouvoir recevoir de tels coups? Moi, je vais te donner le bonheur. Alors, cette femme maltraitait son mari. Un jour, le mari vient me voir. Il me dit, frère, tu sais, elle me maltraite. Elle me marginalise. Elle me donne des coups. Mais là où elle était auparavant, bien-aimé, elle a encaissé des coups sans cesse. Alléluia. Au lieu de pouvoir emboîter le pas avec son conjoint qu'elle a rencontré, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait vivre selon l'image du passé. Ce soir, j'aimerais te dire que débarrasse-toi de l'image du passé. Amen, amen, amen. Cela va détruire ta vie. Ce soir, vous savez, je ne veux pas être long, je veux aller très vite, mais j'aimerais dire une chose. Bien-aimé, les décisions que tu vas prendre maintenant seront importantes pour le futur de ta vie. Amen, amen. Amen. Elle a compris que son mari n'est pas son adversaire. Son mari est son ami. Amen, amen, amen. Alors ce soir, je voudrais que tu puisses enlever l'idée sur ton cœur que ton époux ou ton épouse est ton adversaire. Il faut que tu puisses réellement être à la hauteur de cette relation. Alors, Ecclésiaste nous avertit, parce que il y a des types d'alliances que tu peux faire. C'est le deuxième point. C'est le type d'alliance qui peut détruire ta relation. Vous savez, il y a des personnes qui ont marché avec d'autres personnes. Une alliance entre toi et l'autre. C'est-à-dire une alliance, c'est-à-dire que quelque part, vous avez signé comme un pacte, non pas un pacte de ténèbres. Alléluia. Non, c'est pas en prenant le son de l'autre que tu signes ce pacte-là. Mais c'est un pacte que tu signes pour dire que tu prends un engagement devant les hommes et devant Dieu. Et c'est ce que tout à l'heure, nous allons voir lorsque ce couple prendra l'engagement devant le Seigneur. Tu rencontres un homme qui te dit, du jour au lendemain, je veux t'épouser quelquefois, méfie-toi de la personne. Alléluia. Il veut utiliser le mariage comme étant un appât. N'est-ce pas? On ne peut pas épouser un inconnu, n'est-ce pas? Il faut d'abord connaître la personne. Mais ils ont pris le temps de se connaître. Ils ont pris le temps de mûrir leur réflexion. Et aujourd'hui, le 18 septembre, ils ont pris la décision de se marier devant vous. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est que un homme et une femme font une alliance. Une alliance qui est basée sur la parole de Dieu. Une alliance qui est basée
réellement sur l'amour de Dieu. Vous savez, quand on aime, bien aimé, on ne peut pas faire du mal à autrui. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on aime, on ne peut pas détruire l'autre. Quand on aime, on ne peut pas parler du mal de son conjoint. Méfie-toi des femmes qui viennent parler du mal de son mari, de sa femme. Vous connaissez ma femme? Oh là là. Un jour, j'ai rencontré un homme. Bien aimé, la manière qu'il désolait sa femme, je me suis dit, mais quel est cet homme-là? Alléluia. Ça, c'est un démon. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps de pouvoir passer la réconciliation. Pouvoir amener l'homme au retour dans le couple. Parce que le couple peut être quelque part, bien aimé, complètement disloqué. Quand on voit, c'est un couple en réalité, chacun est en solo. La nuit, bien aimé, on fait les lits à part. Alléluia. Amen. Si vous avez soutenu un lit qui mesure 2 mètres, l'autre est de l'autre à l'autre bout, l'autre est à l'autre bout également. Alléluia. Amen. Nous allons devant les gens simplement. Quand les gens sont là, on fait semblant. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai connu un couple comme ça. Il faisait semblant devant les hommes. Bien aimé, en amour, on ne fait jamais semblant. Est-ce que vous croyez en cela? Amen. Quand ils se voyaient, ils se tenaient par la main. On avait l'impression que c'était un couple idéal. Mais le couple idéal n'existe que dans les films. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la télé. Mais dans la vraie vie, il faut savoir construire. Jour après jour, tu dois donner le meilleur de toi-même pour faire plaisir à l'autre. Pour amener l'autre réellement à être le bonheur. Ton bonheur ne compte pas, mais c'est celui de l'autre qui compte. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait la différence. Amen. Ce n'est pas seulement ta vie à toi qui compte, mais c'est à tout l'autre qui compte. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Alléluia. Et c'est là que les choses changent. Nos intérêts commencent à résonner ainsi. Il ne résonne plus comme il était seul. Parce que quand tu es seul, Dieu est égoïste. Mais quand vous êtes à deux, tu deviens altruiste. Tu deviens quelqu'un qui vraiment partage tout. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, je vais vous donner un témoignage ce soir. Vous savez, un jour, je vais faire très vite. Vous savez, un jour, on a reçu notre Dieu qui est resté d'abord. C'était à l'époque, nous étions au pays, au Congo, 1200, à Brazzaville. Et ce frère était très, très dur avec nous. À l'époque, c'était un jeune prédicateur. Et il y avait des pasteurs qui étaient devant moi. Et écoutez-moi bien. Il était tellement dur quand il regardait les serviteurs de l'Église. Vous les mangez le foufou. Qui connaît le foufou ici? Personne. Il traitait le pasteur de mangeur le foufou. Non, mangeur le foufou. Il voulait montrer qu'il était dur et qu'il était droit. Mais vous savez, il y a 99 jours pour le voleur et le dernier jour, c'est pour qui? Le propriétaire. N'est-ce pas? Le propriétaire. Et le temps est venu. L'homme de Dieu a commencé à prêcher. Est-ce que vous êtes transparent avec votre femme? Oui. Oui, dit Amen. Est-ce que vous dites tout à vos femmes? Oui. Et vos salaires aussi? Et l'homme a dit oui. Alors il commençait à poser la question. Il passait bon après bon pour poser la question. Est-ce que madame, tu connais le salaire de ton mari? Alors, le mari sentait que son temps arrivait, n'est-ce pas? Alors il a dit sa femme, je touche 250 000 francs CFA. La femme dit, je croyais que c'était 200 000. Non, c'était 250 000. Mais ne dis pas ici que je t'avais menti. Dis ce que je te dis maintenant. Écoutez-moi. Quelque temps après, est venu le tour du monsieur. On lui pose la question. Madame, est-ce que vous connaissez le salaire de votre mari? Il vient de me le dire. Bien aimé. D'un seul coup, il y a eu un froid dans le couple. Et le monsieur s'est refroidi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de transparence. L'amour doit être transparent. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une transparence dans l'amour. L'amour véritable, bien aimé, est clair comme l'eau de roche, j'aimerais dire ce soir. Il doit être limpide. Il faut que tu puisses avoir cette vérité de dire à ton conjoint ce que tu as. Alléluia. Amen. Quand tu passes, quand tu finiras par le découvrir, ça va vous amener dans la discorde. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il y a des secrets de foi que nous gardons.
On dit non, ça même ma femme, je ne peux pas dire. Mais non, dès le départ, dis-lui la vérité. Alléluia. Elle doit te prendre comme tu es. Il doit te prendre comme tu es. Même si tu as 5 enfants, dis que tu as 5 enfants. Il va t'aimer avec les 5 enfants. Vous savez, bien aimé, l'amour est un problème de cœur. Quand on aime, bien aimé, on ne compte pas. Tu verras 5 comme 1. Amen. Parce que tu aimes la personne. Alors ce soir, je voudrais vous dire une chose, que c'est l'amour qui donne. Il y a plus de choix à donner qu'à recevoir. Je vais terminer. Bon, c'était un moment. Je vais dire simplement, il y a un type de grâce. Troisième point, écoutez-moi. Je vais terminer cette fois-ci. Alors, je disais qu'il y a un type de grâce qui se manifeste dans la vie de deux personnes. Vous savez, on dit que c'est une grâce qui obtient de l'éternel. Tu penses à l'autre. Lorsque tu ne penses plus comme toi-même, mais tu penses toujours par rapport à l'autre. Tu ne vis pas par rapport au rythme de ton propre cœur, de ta propre volonté, mais par rapport à la volonté de l'autre. Alléluia. Amen. Alors là, tu vas faire basculer définitivement le cœur de l'homme et de la femme. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu es attentionné, vous savez, il y a des femmes qui ne reçoivent pas. Ils ont quelquefois des boxeurs dans la maison. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de faute qui vont à l'extérieur. Bien aimé. Quand ils sont à l'extérieur, ils sont bien avec des voisins, ils sont bien avec des amis. Mais dès qu'ils arrivent devant le pas de la porte, ils changent de position. Alléluia. Ils changent carrément de visage. Là, ils vont voir son adversaire. Mais la femme n'est pas ton adversaire. La femme est ton partenaire. Que tu dois chérir, que tu dois aimer. Bien aimé, il faut comprendre cela. C'est un mystère que si tu comprends ces choses, alors cela va conduire à ce que l'amour augmente dans le cœur. Amen, amen. Alors, je termine ce soir en disant une chose. Vous savez, Dieu est amour. Amen, amen. Amen. Et si cet amour augmente chaque jour, bien aimé, cet amour est capable de briser même les os dans les cœurs. Alléluia. Amen. Vous allez voir un homme qui était endurci, un homme qui était difficile, va changer de position. Parce que l'amour va le changer, va le transformer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant que nous puissions passer à la bénédiction rapidement, merci éternel, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité ce soir. Alléluia. Alléluia. Thank you.
Conseils aux mariés. Vous savez, on a besoin de conseils. Vous savez, les projets échouent faute de conseillers. Papa Sala va s'approcher respectueusement, il va donner des conseils aux mariés. Alléluia. Amen. 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 Ça va. Oui, on dit oui. Conseil et méditation. Apprendre à aimer. On va s'asseoir un instant. Le mariage engloge tant de soi, engagement à vie, exclusivité du lien, consentement mutuel, devoir de fidélité et d'assistance. Le mariage n'est pas un contrat à durée déterminée. Le mariage est un jardin qu'il faut cultiver continuellement. Il est aussi une maison que construit le couple. Le mariage, c'est savoir faire des compromis, des concessions dans un langage franc. La maison de l'époux et de l'épouse, c'est une maison d'amour durable. Le mariage a pour fondement l'amour. Dans l'amour, il n'y a point d'altération. Il ne s'oxyde pas. L'amour et la foi fonctionnent ensemble. La communication fait partie de l'amour dans un couple. L'amour est fort comme la mort. L'amour, c'est l'équilibre d'un mariage. C'est l'amour qui fait le mariage. Épouse. L'épouse est la plus belle réussite de Dieu. L'épouse est unique sans comparaison avec les concubines. L'épouse apprend à être aimée de l'époux. Elle accepte ses paroles d'amour. En retour, elle doit apprendre à l'aimer. L'épouse est la compagne et l'amie de l'époux. Elle devient sa conseillère. L'épouse est la plus belle de femmes et elle est douce. L'épouse connaît son bien-aimé, elle ne voit aucun défaut dans celui-ci. L'épouse est revêtue des colliers symboles de l'instruction de son père et de l'enseignement de sa mère. La femme épouse apporte lumière dans la maison conjugale. L'épouse se maintient dans le nord de l'obéissance et de la soumission. L'épouse manifeste sa joie de vivre en compagnie de son époux qui la rend totalement heureuse. La femme aime changer l'intérieur de la maison. La femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse. Époux. L'époux est fier de son épouse. L'époux doit savoir communiquer avec l'épouse. L'époux doit être attentif. Il assure la sécurité de son épouse. L'époux est le berger qui veille sur les jardins et à la maison. Les hommes résistent au changement de l'intérieur de la maison. L'époux aime sa bien-aimée parce qu'elle possède de valeur. L'époux aime sa femme comme son propre corps. Les époux futurs, mon frère.
capitale. En présence de l'Église, crois-tu que c'est la volonté de notre Seigneur que tu prennes la sœur d'Embe Lelo Hissène comme épouse? Si oui, es-tu engagé à respecter les règles du mariage tout en acceptant de venir à la volonté divine selon les Écritures? Oui. Oui. Consens-tu à souffrir pour l'attachement à cette volonté? Oui. Peux-tu lutter et détruire toutes les autres volontés charnelles, quelle que soit leur provenance, intime soit-elle? Oui. Acceptes-tu de consacrer ton mariage au service de l'Évangile sans le laisser glisser dans les futilités, légitimes soient-elles? Oui. Acceptes-tu de remplir tes devoirs d'époux vis-à-vis de ton épouse jusqu'au terme de votre vie, tel que les Écritures saintes nous l'enseignent? Oui. Comme il n'a pas ses lunettes, je vais lire à sa place. Je soussignais frère Mbaouka Li Gervais, époux de la sœur Bembe Lelo Hissène, déclare sous l'honneur prendre à cœur cet engagement solennel devant le Seigneur Jésus-Christ, devant ma famille et devant les hommes. Je demande au Seigneur Jésus-Christ de m'aider par l'action du Saint-Esprit dans l'observation de mon engagement. Amen. Amen. On peut le faire très fort, le Seigneur. Mandelo la déclare en présence de l'Église. Crois-tu que c'est la volonté de notre Seigneur que tu prennes le frère Mbaouka Li Gervais comme époux? Si oui, es-tu engagé à respecter les règles du mariage tout en acceptant d'obéir à la volonté divine selon les Écritures? Oui. Non, j'ai pas entendu. À cette volonté? Oui. Peux-tu lutter et détruire toutes les autres volontés charnelles, quelle que soit leur provenance, intime soit-elle? Oui. Acceptes-tu de remplir tes devoirs d'épouse vis-à-vis de ton époux jusqu'au terme de votre vie, tel que les Écritures saintes nous l'enseignent? Oui. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Bon, je vais lire la part de ma sœur. Elle dit à toute l'assemblée, je soussignais sœur Bembe Lelo Hissène, époux du frère Mbaouka Li Gervais, déclare sur l'honneur, prendre à cœur cet engagement solennel devant le Seigneur Jésus-Christ, devant ma famille et devant les hommes. Je demande au Seigneur Jésus-Christ de m'aider par l'action du Saint-Esprit dans l'observation de mon engagement. Fait ce jour le 18 septembre 2021. Amen, amen. Mon fils d'honneur,
d'avancer avec les anneaux. Nous allons passer à l'échange des anneaux. Et après, il y aura quelque chose après cela. Amen, amen. C'est le coup qui va commencer. Et l'Elo Hussein
mariés par les liens du mariage. Je déclare et je proclame que ta bénédiction déborde leur vie. Éternel, à partir de cet instant, nous déclarons que cet homme et cette femme sont mariés devant toi. Seigneur, merci parce que tu guides leurs pas. Seigneur, ma prière ce soir, que ton armée les accompagne. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta grâce est sur leur vie. Nous te bénissons. Au-delà de nos pensées, nous croyons que, Seigneur, c'est toi qui les bénis, afin que leur vie puisse connaître une prospérité, une grâce particulière. Éternel, laisse que ton huile coule dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, disons Amen. Amen. Yes, I'm going to go to the hospital.
Thank you.
bénissons le Seigneur. Nous mettons en place pendant ce temps ensemble. Nous allons prier. Nous allons prier pour la collation. On vous asseoir un instant. Nous allons remercier le Seigneur. Amen, amen. Juste avant, nous voulons remercier la famille. Est-ce que les parents sont là? Nous voulons quand même les recevoir. Ils peuvent se lever, les parents du côté de Marie, de la femme. Ensemble, vous allez vous lever. Nous acclamons très fort le Seigneur pour cela, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne encore et qu'il vous garde puissamment. Amen. C'est le pasteur Omis qui va prier. Le pasteur Omis va s'approcher. Il va prier pour la population de l'enfance et ensuite nous allons nous séparer. Et pendant ce temps, ne partez pas avant d'avoir fait la collation. C'est un moment de joie, de communion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père, je voudrais, Dieu, te rendre grâce parce qu'aujourd'hui, le 18 septembre 2021, le premier sacrement que toi tu as établi dans la Bible s'est réalisé ici dans cette salle. Gervais a accepté de quitter son père et sa mère et de s'attacher à maman Lélo pour que les deux puissent former une seule chair. Nous voulons te dire merci. Ma prière, Seigneur, c'est que tous ceux qui sont dans cette salle et qui sont dans une situation qui n'est pas claire devant toi, puisse faire comme eux, comme ils ont fait aujourd'hui. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour même l'instrument que tu as utilisé pour apporter la parole. Merci pour cette église qui nous reçoit. Merci pour la famille qui nous reçoit. Merci pour la joie que tu as mis dans nos cœurs, parce qu'aujourd'hui, nous étions dans la joie. Amen. Seigneur, toute chose a une fin. Amen. La fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Alléluia. Le couple a prévu une collation. Je voudrais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, bénir cette collation, bénir la sanctifier et de faire en sorte que nous puissions le manger avec un temps de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et quand nous allons finir, soyez bénis et rentrez en paix dans la maison du Seigneur, dans vos maisons aussi, et pour la suite du programme. Que Dieu vous garde. Amen, amen. Amen. Thank you.
ça. Planète. Qu'est-ce que la réflexion publiée par le centre de recherche européen de l'IRIA